révolution parce qu'en fait, déjà le sujet, Haydn l'a pris à John Milton, philosophe anglais, donc, qui est un livre extraordinaire, le Paradis perdu de John Milton, c'est vraiment un chef-d'œuvre, à la fois pour l'éducation religieuse, mais aussi philosophique. Et Haydn a entendu à Londres le Messie de Handel à Westminster, et là il a rencontré le baron von Swieten, qui était le mécène de Mozart, qui a fait beaucoup de bien, beaucoup pour Mozart, et ensuite beaucoup pour Haydn, qui lui a proposé d'écrire un livret sur l'épisode de la création, puisque le paradis perdu, ça va jusqu'au paradis retrouvé, donc c'est très, très très long. Mais justement, la création du chaos, et puis la création des océans, et puis des montagnes, etc. etc. Après les animaux, puis finalement, pour la troisième partie, Adam et Ève. Et Haydn, qui n'était pas particulièrement religieux, c'était pas un message religieux, c'était quelque chose, Darwin, en quelque sorte, quelque chose comme la création du monde, qui a inspiré beaucoup de compositeurs jusqu'à nos jours. Hein. Voilà. Et ensuite, on va dire sur le plan de l'esthétique, c'est là qu'apparaissent effectivement un peu des nouveaux instruments, La technique instrumentale a beaucoup évolué depuis Mozart, entre Mozart et 1800, et on est dans un véritable concerto pour chœur et orchestre en même temps, et soliste. Donc c'est une œuvre extrêmement, extrêmement importante qui a tout de suite conquis toute l'Europe. Pour la petite histoire, elle a été jouée en 1807 à Paris, et Napoléon a échappé à un attentat en allant écouter la création. Tout le monde raconte cette histoire parce qu'elle est vraie, et il y a beaucoup de gravures, de reconstitutions, on le voit dans sa diligence, je ne sais quelle voiture à chevaux, et puis attentat raté, et il venait écouter la création sans Richelieu. Voilà. La réponse est simple. Au début, donc Dieu isole les océans, mais on est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité parce qu'il n'a pas encore créé la lumière. Et puis il y a la fameuse phrase "Und es war Licht", et la lumière fut. Et là, il y a un accord d'ut majeur qui est, c'est la simplicité même, parce qu'un accord d'ut majeur, il y en a des millions dans la musique instrumentale et vocale, mais celui-là est amené de telle façon, und es war Licht, et là on a toute la salle qui résonne, là. Tout d'un coup c'est comme s'il y avait un éclair, on voit la lumière, et ça bon, c'est pas le seul endroit de la création bien sûr, mais il est vraiment, c'est quelque chose de très très spectaculaire. Pas de religion là-dessus, ça dépend. Je suis pas particulièrement traqueur, alors que je l'étais quand j'étais instrumentiste. Je tirais beaucoup. Donc la logique d'un instrumentiste, quel qu'il soit, et d'un chef d'orchestre, est complètement différente. Un chanteur, il a sa logique physiologique, j'ai envie de dire. Il faut qu'il fasse certains exercice, on roule des choses, on fait des pour être que son articulation soit agréable, il fait des essais de souffle, il fait etc., des vocalises, bon, et puis un instrumentiste, bon, c'est pareil, il s'accroche au trait qui va être obligé d'exécuter, etc. Un chef d'orchestre, c'est extrêmement différent. Si on dirige par cœur, ce qui arrive quand même très souvent, on est imprégné, on est complètement dans notre monde, les endroits où il ne faut pas se tromper, les endroits, etc., etc. Enfin, toute la partition défile, ou toute partie. Et puis, s'il n'y a pas ce problème majeur du par cœur, ben c'est la même chose.
on est de toute façon dans les premières mesures, et puis la façon de gérer l'œuvre, en fonction de l'acoustique aussi, en fonction de l'effectif qu'on a, puisqu'on ne dirige pas toujours les mêmes personnes, ni le même type de musique. Donc on a une préparation qui est vraiment intérieure, qui n'a pas, il n'y a pas, je ne suis pas en train de faire ça, par exemple. Vous voyez, ça va se faire tout seul. Voilà, je ne prépare pas ma baguette parce que je n'en ai pas.